d'Ivoirien se pose des questions. Est-ce que aujourd'hui nous avons décidé. Nous sommes restés. Nous avons décidé de faire. Qui va dans un premier temps présenter le membre de la table d'honneur et par la suite il va donner le contenu de la conférence de presse. Voilà, elle va se tenir en deux parties, bon, je dirais en trois parties. Voilà, le président va dans un premier temps donner le contenu de la conférence de presse et la seconde partie sera celle consacrée aux préoccupations des journalistes. Après donc la préoccupation des journalistes, le président bien entendu va reprendre la parole pour apporter des réponses. Donc quand il dit le président, c'est parce qu'il est le président du Sénat aussi. Sinon que, après la question des journalistes, le Sénat aussi reprend la parole pour répondre aux différentes questions des journalistes. Parce qu'il peut arriver qu'un camarade membre du bureau national du Sénat aussi ait une réponse à l'une des questions des journalistes. Voilà, donc en ce moment-là, ça ne sera plus le président seul. Nous allons, comme à l'accoutumée, procéder par le salut à nos couleurs. Le salut aux couleurs qui se fait bien entendu dans une position arrêtée. Donc, avec tout le respect que nous vous devons, nous allons simplement vous demander et vous tenir debout pour qu'ensemble nous puissions chanter notre hymne national. Salut aux terres d'espérance et des vaillances en relevé. Tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons. Nous appelle si nous avons dans la. Modèle de l'espérance promise à l'humanité, on continue dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci, merci beaucoup, chers camarades, pour votre disponibilité. Nous allons donc, sans toutefois transiter par aucune mesure, donner la parole au président du Conseil national pour une nouvelle Côte d'Ivoire qui va procéder dans un premier temps à la présentation des membres de la table d'honneur. Il faut te libérer. Merci. Je suis le camarade en abrégé Sénancy. À ma gauche, le secrétaire à l'organisation, le camarade avant, je passe à qui sont tombés pendant la désobéissance civile.
Mesdames et messieurs les Mesdames et messieurs les responsables des partis, je voudrais, au à cette conférence de votre présence, elle et donne ainsi un cachet spirituel. Spécial à cette rencontre. Le Sénat ici religieux et son attachement vision socialiste dont nous nous réclamons et saluons avec déférence. Oui, Laurent Gbagbo s'est battu bec et ongle pour briser le mur invincible l'ère du multipartisme, rendant ainsi les contradictions même si les politiques ivoiriennes ne font pas bon usage de cette avancée démocratique, il faut courageusement avouer que cet homme a sacrifié toute sa vie pour nous construire un idéal. La création du Sénat ici la plus absolue par le peuple de Côte d'Ivoire depuis son acquisition sur un plateau d'or d'une indépendance à fond vide, le vent de la démocratisation sans transformer les cœurs de nos dirigeants qui jusqu'à aujourd'hui peinent encore à lui donner une place prépondérante dans la le tripatouage de la Constitution, la discrimination ethnique et politique, la les violations répétées des droits de l'homme et des lois nationales, l'absence totale de dialogue national les composants de ce tableau noir qui met ainsi en évidence la présence de l'État policier dans notre pays. Générateur des multiples mots qui minent notre société. Le chômage, la famine, le sous-développement, simplement perspective, est difficile à accepter. La démocratie, la justice et le développement. Notre pays a guéri tel que le les déclarations, les
envie de critiquer, de dénoncer et de proposer des solutions capables de sortir notre pays du gouffre. Nous ne saurons être conséquents dans cette de notre pays par un bref bilan objectif de la période électorale. Mis en œuvre pour réaliser un faux cycle électoral avec pour que nous votions à travers un moteur de décision. Se sont soldés et de l'autre côté par de nombreuses pertes en vie humaine et des biens matériels, des blessures graves et légères, l'arrestation de plusieurs leaders de l'opposition de toutes ces choses, nous devons retenir que personne n'a gagné. Nous avons tous perdu, car chaque Ivoirien en a payé le prix d'une manière ou d'une autre. Parce que de près ou de loin, nous y avons une part de responsabilité. Notre pays aurait eu la chance d'éviter cette triste notre patrie de cette situation à bout. Et toutes les forces vives de la nation, la formation d'un consensuel du listing électoral pourrait décrisper l'atmosphère sociopolitique en vue d'une participation massive par rien à réinvestir le terrain politique pour prendre dans l'ouest du pays. Depuis la crise politique, occulte règne en maître absolu sur les populations de la récente attaque perpétuée. Au mardi 29, au moment de perte des biens matériels, ces forces nous devons forcer les aussi le silence indigne. Du manque de neutralité dont fait preuve la justice ivoirienne à l'indifférence totale sociale et la situation sécuritaire déjà délétère. Nous demandons au gouvernement pour en fait détendre l'atmosphère sociale du projet en ce moment dans une agonie profonde. Les efforts concernant cette nouvelle décennie soient qualitativement différents de la dernière. C'est le lieu pour le Sénat-ci, le Conseil national pour
prospérité et de réconciliation nationale. Nous avons concouru à Silencis et que Dieu nous ramène saints et sauvés. Je vous remercie. À toute une vie religieusement détournée. Nous t'avons écouté et des préoccupations des agents de presse. Nous allons donc recueillir les préoccupations de nos qui sont là, veuillez souffrir à ne pas poser des questions ou ne pas donc sur ce je demande aux camarades agents de presse et journalistes de bien vouloir lever la main s'il y a bien entendu des préoccupations. Et puis, après les trans. Camarades représentants de Désogno. C'est un mouvement politique, mais je crois que la feuille Conseil national. Je veux savoir un peu. Aujourd'hui, vous êtes là. Plusieurs fois aujourd'hui à l'envers. OK. Il va nous écouter.
ça va répondre. Aux préoccupations des camarades journalistes. Vous savez, ils font beaucoup de tours. Ils savent combien de mouvements naissent et meurent. Ils connaissent combien de mouvements sont au-dessus de la toile. Et combien de fois les gens ont crié sans toutefois apporter un changement. Donc c'est normal qu'ils posent cette préoccupation pour savoir de quelle force dispose le Sénat-ci pour pouvoir apporter c'est tout. Le Sénat-ci qui est appelé à faire face aux questions des journalistes. Donc si après sera bienvenu dans cette série de réponses. Camarade président, voici donc le micro. Parti politique. En Côte d'Ivoire, nous voyons un peu le parti politique comme le FPI, le PDCI, etc. Voilà. C'est des organisations politiques reconnues sur le plan national en tant que des partis politiques. Les mouvements politiques, nous avons créé. De la gauche. Voilà. Donc nous soutenons. Indépendant. On ne pouvait pas rester là sur terre sans toutefois apporter un grain de sel à ce combat qui mène. Nous ne pouvons pas rester dans nos maisons et pleurnicher. Des actions légales, on peut avoir des actions légales, faire parler nos cœurs, dire ce que nous pensons, dire ce qui est sur notre cœur. Qu'il faut pour notre pays. C'est en ce sens qu'on crée le mouvement. Le mouvement pour pouvoir soutenir cette action. Voilà. Le mouvement. Au parti politique. Et c'est l'état policier. N'est-ce pas? Voilà. Il faut suffire. Je ne peux pas dire que c'est équilibré, mais...
jusqu'à ce que cela cesse. Tout le monde. Pas bien, alors on va toujours crier. Parler d'équilibre étant donné qu'ils ont la force. Mais nous au moins, on a quelque chose à dire. Comme l'avait dit le président Babou, quel la voix originale. Comme on l'a dit, et je me répète encore. Moyens légaux, tels que des conférences de presse. Pour dire que voici nous pouvons pas prendre des armes blanches ou mettre des armes dialogue. Voilà, il est élégant dans tout ce qui est de Côte d'Ivoire qu'il faut utiliser. La population et faire par la terre pour qu'on puisse vraiment discuter, pour que la Côte d'Ivoire puisse gagner. Voilà. Politique. Pourquoi Conseil national? C'est un mouvement national. Nous voulons que nous avons se nommé Conseil national. C'est parce qu'il est vraiment national. Nous sommes. Il y a le nord qui est représenté, il y a le centre qui est représenté. Nous voulons sillonner toute la Côte d'Ivoire pour promouvoir, la politique de notre mentor, cette politique de gauche. Dénommer notre mouvement Conseil national pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Vous savez, quand nous sommes dans un pays démocratique et que nous avons un pouvoir je suis pour m'exprimer ainsi. Il faut toujours se battre. Ce n'a pas été. Et quand il commençait le combat, Félix Houphouët-Boigny était d'accord avec. Il a toutefois plusieurs.
Ils ont été plusieurs fois cassés. Ça veut dire qu'on ne les écoutait pas. Mais voilà. Donc nous pensons que il se menait un combat. Et ce combat-là, il le menait peut-être pour nous écouter plus tard. Si ceux de nous nous écoutent, ceux de merci, camarade président. Comme je l'ai dit tantôt, c'est toute l'équipe de Sénancy qui fait face à la presse. Donc, je voudrais lutter dans la même veine que le président, tout en apportant des petits additifs. Dit que le Sénancy est régi les groupements politiques et les partis politiques qui nous régissent aussi. Mais nous avons un caractère de mouvement dans ce sens que nous sommes nés pour soutenir en parti politique. On a connu le crack avec ce bout de avec ce caractère intérieur, il n'y a pas l'objectif de briquer tout de suite la magistrature suprême. Voilà un peu là où on pourrait peut-être percevoir la différence entre un parti politique qui est né véritablement pour mettre tous les moyens à ses côtés pour briguer la magistrature suprême et un mouvement politique qui est né pour soutenir une obédience politique. Concernant la deuxième question du camarade, est-ce que les moyens démocratiques peuvent suffire et je l'assume, le pouvoir dictateur parce que il domine le pays et il domine toute la sous-région. Voilà. Aujourd'hui, il est le centre d'intérêt de tous les intérêts occidentaux ici en Afrique. Il est utilisé presque dans tous les pays en Afrique. Je le dis et je l'assume. Donc, est-ce que ce petit fardeau que nous sommes en train d'attacher ici, là, peut avoir une véritable force pour pouvoir le dégager? Mais qui savait que le Parti citoyen allait renverser Blaise Compaoré? Mais ce n'était qu'un petit mouvement. Cette petite flamme-là pour devenir une flamme nationale. Et ça fait partie de dignité de 27 ans de gouvernance. Il n'y a rien d'impossible. Mon père me disait chacun avait sa lance. Mais le père, lui, les cailloux qu'il ramassait là, c'était en fonction de l'air que lui voulait tuer. Et le petit, lui, ramassait des petits cailloux pour tuer que les manches mille. Il ne savait plus ce qu'il allait prendre pour tuer l'air qui se présentait à lui. Et il a décidé de faire une aventure en prenant les petits cailloux que le petit a ramassé. Mais ce qui était étonnant, c'est que c'est avec ce petit caillou là qu'il a pu détourner l'air. On ne sait pas ce qui peut tuer un baobab. Dans les presse, nous allons embrasser tout le pays. On va l'implanter. Et quand on a fait le bilan de la démocratie civile,
on a compris que l'opposition a proscrit tout moyen dictatorial, tout moyen illégal, tout moyen militaire de notre processus. Donc, ivoirienne à aller c'est pourquoi on encourage toute l'opposition à aller à ces élections. Pousser ce dictateur-là à fléchir. On a vu qui a fait cette preuve pour dire que donc et quand vous êtes des agents de la presse avec qui nous sommes, et nous serons continués. Et allons-y. C'est ce que je voudrais ajouter comme réponse. Et donc, nous allons faire propre autour de lui. Municipal à la Kouta. L'avenir ne peut pas appartenir à la jeunesse indéfiniment. Pas que cette jeunesse ne se met pas. Disons que la vie n'appartient plus à la jeunesse. C'est le présent qui appartient désormais à la jeunesse. De la presse, s'il y a donc vous n'avez plus de préoccupations. Ok, y a même si c'est pas le nous vous faisons déjà confiance parce que ça prouve déjà que vous êtes des gens de parole. Ça va sortir et je pense dès que notre gars de Ojibo Vajab n'est pas en train de faire une billette. Il y a des moments que vous vous traitez d'avoir des vidéos avant de faire les trucs. Il n'y a pas de problème. Nous, on s'attendait à ces billettes parce que je vous ai appelé, c'est sur ça qu'on s'est attendu. Donc, je voudrais donner. La parole au camarade président. Merci, Egypte. Je voudrais dire merci aux grands frères, aux agents de presse qui sont déplacés, qui ont laissé leurs préoccupations et venu nous suivre. Nous serons toujours ensemble. Nous projetons des activités sur le plan national. Et je pense que le RG va toujours vous contacter pour qu'ensemble on puisse travailler. Et pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on baisse les bras. Continuons le combat parce que le président Babo Lora compte sur nous. Il compte sur nous pour que cette Côte d'Ivoire-là il veut une Côte d'Ivoire unie.
à l'Occident. Ils n'ont pas cessé de nous piller. Aujourd'hui, si l'Occident combat, papa a dit non pour toi, il a dit non pour moi. Alors ne baissons pas les bras. Si nous baissons la bonne voix des Ivoiriens, je vous remercie.